Naruto Shippuden. Encore une intro qui déchire et nous commençons pour un vidéo test de Naruto Shippuden Clash of the Ninja Revolution 3 et encore la version européenne. C'est le truc qui casse un peu. Donc voilà, on est ici. Ce jeu est sorti en 2007 d'après ce que je vois. Je pense qu'il est sorti à peu près en même temps sur en France et au Japon. Et donc alors en quoi consiste ce jeu? Bah tout simplement c'est la même chose que l'ancien Naruto que je vous ai montré, Clash Ninja sur GameCube. Et donc tout simplement c'est un jeu de combat à 2,5D à la Budokai style. Et vous voyez, il y a toujours un mode histoire. Ah, cette fois-ci le jeu est entièrement en français, c'est bravo hein. On va les applaudir. Ils ont réussi à mettre des titres. Vous voyez quand même, ils ont réussi à mettre ça en français quoi. L'interface en français, c'est assez incroyable. Alors je vois pas pourquoi l'autre était en anglais, mais c'est pas grave. Donc voilà, le mode histoire, comme toujours, qui se passe, qui est un peu mieux fait que le mode histoire précédemment, qui était très simpliste. Le mode versus. Voilà, on peut jouer à 2 joueurs, 4 joueurs, enfin c'est la même chose hein, de toute façon que l'ancien Naruto, je vais pas vous réexpliquer. Connexion Wi-Fi Nintendo, c'est simplement que on peut jouer en ligne dans ce Naruto Clash of the Ninja Revolution Shippuden Ultimate 3. Voilà, je déteste les titres des Naruto de toute façon. Bref, vous voyez qu'il y a aussi un mode de les bonus en fait, c'est c'est un peu comme le mode extra dans l'ancien Naruto, c'est vous voyez qu'il y a la boutique, il y a les classements, perso j'y vais jamais, le lecteur multimédia, je sais pas si ça c'est les musiques, visionneux, ça c'est pour regarder les différents cutscenes du mode histoire, parce que oui, il y a des cutscenes, attention, bon c'est pas non plus du niveau de Naruto sur PC. Je sais plus le nom de ce Naruto là, mais je vous ferai obligatoirement un vidéo test sur ce Naruto aussi. Et sinon la carte ninja, c'est pour c'est juste les caractéristiques. Vous voyez quand même que j'ai joué énormément de temps, 11h15. Voilà. Et je crois, mais je suis pas sûr, parce que ça fait un bon moment que je joue plus. Je crois que j'ai tous les persos. Parce qu'en fait, j'ai recommencé le jeu. Avant, je l'avais déjà fait sur ma première Wii, mais elle a cramé au bout de 2 ans et demi. Ça m'a bien fait chier d'ailleurs. Parce que voilà, ce Naruto, on peut pas transférer les sauvegardes de ce Naruto aussi. On peut pas le transférer à plusieurs Wii, donc c'est galère. Vu que c'est un jeu Wi-Fi, on peut pas transférer. On a quelques-uns comme Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, on peut, alors qu'on peut jouer aussi en ligne. Donc alors, il y a plusieurs modes dans le mode d'un joueur, il y a les listes des missions. C'est un mode qu'on débloque vraiment à la fin, ça. Enfin, dans la boutique, c'est assez cher et ça se débloque assez tardivement. Combat un joueur, c'est classique. Score, dispute 10 matchs contre l'ordinateur et remporte-les avec le meilleur score possible. Bon, c'est moyen. C'est un peu comme le mode chrono, on s'en fiche un peu. Le mode survie, vous savez ce que c'est, hein, c'est de survivre à plusieurs... vague d'ennemis, enfin vague, pas trop vague d'ennemis, enfin faire plusieurs petits combats quoi, mais rapide, et sachant qu'on gagne qu'un à peu près 1 sur 5 de vie quoi, un cinquième de vie, et c'est pas beaucoup à chaque combat. Le Q-Meet, c'est affronte des adversaires contrôlés par l'ordi, c'est une espèce de beat'em all, c'est un peu comme le mode Oboro, je crois que c'était dans l'ancien Naruto. Donc ouais, pas trop de nouveautés là à ce niveau-là. Sinon allons dans le mode histoire. On va faire une nouvelle partie. Et oui, je vais aussi dire qu'il y a ce Naruto aussi a pas mal de défauts par rapport au précédent. Comme par exemple déjà à la boutique, les personnages sont extrêmement chers. Donc on les débloque très très tardivement. Enfin même on est obligé de faire des 10 heures de jeu, de combats incessants, toujours les mêmes. Pour pouvoir débloquer les nouveaux persos. C'est très très long. Hein. Et voilà, faire le mode survie, au bout d'un moment, le mode survie il nous ressort par les yeux. Quoi. Donc voilà comment ça se passe le mode histoire. Vous voyez que il y a une espèce de. Vous voyez les bulles de dialogue en dessous et
la cutscene, voilà, qui se... Enfin, je vais passer, puisqu'on peut passer quand on veut les cutscenes. Et dans le mode scénario, à chaque fois on incarne, bah, la plupart du temps, Naruto, mais aussi d'autres personnages issus de la série. Et à chaque fois on est obligé de faire une espèce de pseudo-mission. C'est-à-dire, de, par exemple, là je crois que je devais battre Kakashi avec mon attaque ultime. C'est-à-dire... Bon, faut d'abord que je défonce un peu Kakashi. Faut qu'il souffre. Comme vous pouvez le voir, le système de combat, c'est exactement la même chose que le précédent. Sauf que, bien sûr, ben Naruto, par exemple, il a quelques nouvelles techniques. Et puis, graphiquement, je dirais, ça va. C'est pas non plus bluffant, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu de grandes améliorations. Mais bon, ça peut aller, et... bon, on va dire que c'est convenable pour de la Wii. Ouais, les personnages sont toujours assez bien modélisés. Le problème, par contre, c'est que bah, le framerate, par contre, il ne suit pas très bien quand on est à 4 joueurs. Là, vous voyez, c'était assez fluide, mais plus tard, le jeu, des fois, et bah, dans le mode histoire, on fera des batailles à 4, là, 3 contre 1. À un moment, quand on est contre Kisame, avec l'équipe de Lee, de Rock Lee. Et bah, le problème, c'est que bah, le jeu rame à ce moment-là. Voilà. Il rame à fond. On passe de... Bah, là, on doit être, je sais pas, moi, dans les 50 FPS. Ouais, parce que je suis en 50 Hz, je crois, encore. Ou même 60, c'est très fluide. On passe de 60 à 30 tout cassé, quoi. Ça se voit. Quand on passe de 60 à 30, c'est... Dans le même jeu, c'est... On va dire que c'est un peu différent. Donc, voilà, là, je joue avec Sakura, qui a vraiment des coups vraiment différents par rapport à l'ancienne version. Parce que là, elle peut plus lancer 3 fois les kunai, hein, c'est plus la reine des kunai. Par contre, à côté de ça, elle a une force surhumaine, hein, elle a la force de Tsunade, attention! Bah, comme dans l'animé. Et quand le personnage est presque mort, vous voyez qu'il est entouré, je sais pas, d'un chakra jaune. Voilà. Bon, on va essayer de l'avoir. Super. Voilà, c'est ça le problème dans le mode histoire, c'est que faut à chaque fois, la mission la plupart du temps, c'est toujours faire notre attaque ultime pour défoncer l'IA. D'abord l'affaiblir pour pouvoir en finir avec l'attaque ultime. Le problème, c'est que bah, je trouve que c'est mal foutu, c'est... La plupart du temps, l'IA elle fait que de contrer, tu sais pas comment, la technique, à chaque fois on n'arrive pas à l'avoir parce qu'il fait que de sauter partout, donc... C'est vraiment le mode histoire à ce niveau-là, surtout c'est presque toujours cette mission qui est vraiment saoulante. C'est vraiment pénible. J'arrive pas à faire mes techniques. Regarde, elle écrase sa main sur le sol, ça fait un magnifique, magnifique déchirure. Voilà, elle peut se téléporter aussi. Voilà, sa courait beaucoup plus forte que dans l'ancien, que dans l'épisode d'avant. En même temps, l'épisode d'avant elle était pas très forte. C'est un peu comme dans le manga, hein. Au début c'est vraiment une bouse, mais dans Naruto tout court. Mais après elle devient vraiment assez balèze, hein, dans les Naruto Shippuden. Grâce à Tsunade qui l'a bien formé. Purée. Oui, donc ce Naruto Shippuden Ultimate Storm 3 Ultimate de la mort qui tutu, je sais déjà plus son titre. C'est un Clash of the Ninja, hein, de toute façon. Eh bien, reprend bah, du début de Naruto Shippuden, tout début, jusqu'à la fin, quand ils combattent contre Deidara. C'est-à-dire bah, quand ils vont combattre contre Deidara et l'autre, je sais plus, je sais jamais son nom. Je crois que c'est Sasori. Sasori, un ninja qui contrôle une marionnette. Voilà. Son Kakashi attaqué qui a toujours la classe, mais qui se fait toujours défoncer par Naruto. Contrairement au manga. Et je vous ai dit, hein, dans la précédente vidéo, on peut vraiment faire ce qu'on veut dans un jeu. Curieux. Les permutations sont toujours là, hein. Franchement, c'est le même système de combat. Sauf que Naruto a quelques techniques un peu différentes, mais c'est limite. Hein. Par exemple, au lieu qu'il fasse un sexy jutsu, je crois...
quand on fait le A derrière, et ben il fait autre chose, je sais plus ce qu'il fait. Bah ben, juste une permutation, je crois. C'est assez basique. Ils ont enlevé le côté humour. C'est nul. Voilà, on va encore faire une projection, c'est ce que je fais souvent quand je tombe par terre. Bonne technique, hein. Purée. Il est en forme. Par exemple, je vais vous montrer une nouvelle technique de Naruto. Je me suis planté. Purée. Et voilà, je vais encore perdre, mais bon. J'ai envie de dire, c'est ça le mode histoire. Vous perdez, vous recommencez. C'est un peu ça le problème. Et à côté de ça, vous voyez les effets avec les feuilles qui tombent, c'est vraiment bien fait. Charisseri, c'est pas non plus le plus beau jeu de la GameCube. Par exemple, là, j'ai fait un nouveau combo qui n'existait pas sur GameCube. Enfin, c'est pas le plus beau jeu de la Wii, mais voilà, il est quand même sympa à l'œil. C'est toujours mieux qu'un Mario Kart Wii, quoi. Oui. Mais bon, Mario Kart Wii, j'étais un peu déçu au niveau de la réalisation. Bon, même si c'est convaincant, mais voilà, quoi, je m'attendais à bien plus quand j'ai vu ce que c'était sur GameCube. Et voilà, je l'ai eu, avec l'orbe tourbillonnante plus puissante encore. C'est la méga orbe tourbillonnante. Hein. Oui, Naruto a pris cette technique en 2 ans. Voilà, une technique qui sert pas à grand chose, puisque pas longtemps après, il va apprendre le Shuriken Rasengan, voilà. Ou Rasengan Shuriken plutôt. Et même on n'a pas trop l'impression qu'il a trop évolué hein, niveau technique. Entre Naruto et le début de Naruto Shippuden. Sakura a plus évolué en fait. Heureusement encore, hein, parce que c'était pas un ninja incroyable. Et donc, bien sûr, je crois pas que ça montre le début où il y a... Non, ça montre pas le début où il y a Sasuke. Dommage, hein. D'ailleurs, Sasuke, on le voit pas, hein, y a pas... De toute façon, ça raconte vraiment le début de Naruto Shippuden, on voit même pas encore Sasuke, quoi. Dans Naruto Shippuden, donc... Mais on peut jouer avec Sasuke, par contre, on peut le débloquer. Donc ça, c'est sympa. Donc voilà, je vais vous faire la nouvelle technique. Voilà, Rasengan, purée. D'accord, laisse tomber. Bon, bah, c'est un Rasengan dans les airs, quoi, en gros. C'est un Rasengan plus rapide qui enlève que 4 barres de la... 4 barres du chakra. Et on peut également utiliser, quand on est en équipe, une attaque à 2. La plupart du temps, elles se ressemblent, mais quand vous mettez des personnages spécifiques... une équipe bien soudée quoi, comme Gai et Sasuke, Kakashi, j'en ai marre de dire Sasuke à chaque fois, comme Gai et Kakashi, qui sont de grands combattants et qui sont de grands rivaux et donc bah, ils ont le droit à leur propre technique je crois, à deux. Voilà, c'est Naruto, revoit son pote Shikamaru. Bon, la plupart des ninjas sont devenus des jonin, alors que Naruto, vu qu'il était avec l'ermite pas net, Jiraiya, et bah, d'ailleurs Jiraiya est jouable dans ce jeu-là. Mais vu que il s'est entraîné ailleurs, et bah, il n'est pas devenu le jonin. C'est très grave pour Naruto. Vu qu'il veut devenir un Hokage, il faut d'abord qu'il devienne jonin. Hein. C'est comme nous avec nos bac plus 2 et nos conneries. Ouais. Attention! Donc voilà, vous pouvez voir quand même que les combats sont toujours aussi fluides et vifs, très nerveux. Ils sont même plutôt un peu plus évolués, j'ai envie de dire, mais il y a plus de techniques dans ce Naruto Shippuden. Les animations sont un peu mieux, j'ai l'impression. Et voilà, ils ont un peu plus travaillé là-dessus. Et voilà, attends, je vais. Et aussi, ils ont travaillé sur. Purée, je me suis encore viandé. C'est pas possible. Je veux pas mourir. Pour la petite info, je joue avec la manette GameCube parce qu'on peut jouer avec l'ignoble télécommande Wii, mais. Voilà quoi, vous savez, hein, télécommande Wii et jeu de combat. Ça fait deux. Surtout
Surtout que la manette GameCube est vraiment la meilleure manette, je trouve. Attention. Alors, on peut toujours ressortir un clone de Naruto hein, en dessous. Hein. Référence à la technique qu'il a utilisée contre Neji. Bon, par contre là, je sais pas pourquoi j'ai les voix américaines. Je sais plus si on peut changer ça. Mais bon, les voix encore américaines, ça va, elles sont pas ratées. Même si c'est bien mieux les voix japonaises. On va passer, là c'est quand Deidara va combattre contre eux. L'hôte du dragon première queue. Attends, comme l'hôte de comment il s'appelle déjà? Comment s'appelle le démon que Gaara possède là? Bon, je sais même plus, le démon du sable quoi. Petit trou de mémoire. Gaara a toujours des techniques assez... il est assez technique comme perso hein, à utiliser. Il est très bon en défense, mais bon, faut pas se dire que vu qu'il est bon en défense, il est facile à utiliser. C'est vraiment un perso que j'aime bien, Gaara aussi, je voulais pas montrer de toute façon dans Naruto, enfin pas trop, dans Naruto Clash the Ninja sur GameCube. Ah, bah je l'ai eu de derrière. J'ai tellement la classe. Bon, quelques fois, il y a des petits ralentissements lors des cutscenes, mais bon, c'est pas bien méchant. Bon, comme là, quand Gaara se montre avec le sable. Là, oui, elle en peut plus, hein, d'afficher toutes ses particules. Vous savez, c'est tellement dur. Bon, on va passer. C'est bon. Je vais pas non plus vous montrer tout le scénario. On va quitter menu. Je vais vous montrer un peu la grande nouveauté de ce Naruto Clash the Ninja. Et ben c'est tout simplement le mode bonus. Faut aller dans le mode bonus. Et déjà je vais vous montrer 2 secondes la boutique. Et c'est par là. On se perd un peu des fois dans les menus. Voilà, dans la boutique, vous avez tout ça. Je sais plus si j'ai débloqué tous les persos, je pense pas. Ah purée, non! Non. Ah bah, c'était... J'avais débloqué... Bon, petit spoil, hein. Est-ce que vous reconnaissez déjà cette silhouette? Si vous reconnaissez pas cette silhouette... Eh bah... Moi non plus, je la reconnaissais pas au début, hein. Mais quand j'ai débloqué, purée, mais... J'y crois pas. C'est Kakashi en jeune. Voilà, c'était le petit spoil. Et lui, c'est celui qui se tient devant nous. Et je sais pas qui c'est, tout simplement. Et donc, on va acheter Style, tiens. Même si je n'aime pas ce perso. Je l'aime pas trop. Ce perso. Oui, personnellement, je l'aime pas trop. C'est un personnage qui est un peu insignifiant, j'ai envie de dire. Je l'ai pas aimé dans le shonen, donc voilà. Bon bah on peut acheter aussi voilà des nouveaux environnements. Et le problème c'est que je n'ai pas voilà, j'ai pas gagné, je voulais vraiment absolument vous montrer Kakashi jeune. Il y a vraiment beaucoup de techniques différentes, des techniques ultimes, parce que à côté de ça, on a plusieurs techniques ultimes dans ce Naruto. On a classique, on fait juste X. On a aussi X, mais quand on est dans les airs. Mais on a aussi X en bas, avec certains persos. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de techniques en plus. Et franchement, super bien animé, encore une fois. Il y a carrément Kakashi, mais pas en jeune, en normal. Lui, il peut utiliser le Sharingan télétoscopique. Là, j'ai toujours du mal à le dire. Kailotoscopique. Je deviens comme Firefly, là. J'ai galère à parler. Oui, mais je ne trouve plus le mode mission. Le problème, c'est que je crois, en fait... Oh, purée, je crois que je l'ai pas. C'est énorme. Je savais plus que je l'avais plus, en fait. Je crois que je l'ai pas, en plus. On le débloque très tardivement. Il est tout en bas. Ah. Ah bah si, liste de mission, il y est.
Alors pourquoi je le trouve pas? C'est pas possible. Ça va être encore un vidéo test fail. Mode versus. Un joueur, on peut faire mode spectateur, j'ai jamais utilisé, mais bon, c'est juste pour regarder, je suppose. IA contre IA, donc un peu inutile. Combat un joueur, liste des missions, ouais. Je suis un peu aveugle. Et voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même vraiment pas mal de persos. Bon bah au moins j'ai Sasuke, hein, donc voilà. Il était à 50 000 Ryo, je crois, Sasuke. Un peu moins cher que Sasuke au Sharingan dans Naruto Clash of the Ninja GameCube. Orochimaru était à 35 000, je crois. Voilà, c'est quand même un poil moins cher, mais bon, vu qu'il y a plus de persos, c'est normal. Mais bon, tous les persos sont... les moins chers, c'est 10 000, quoi. Donc c'est extrêmement cher. Donc très chaud à débloquer. Sasuke, j'en ai déjà bavé pour le débloquer. Donc le mode mission consiste en fait, bah il y a plusieurs missions. Par exemple, choc entre rivaux, c'est vient à bout de l'adversaire désigné. Attention, il est plus fort que d'habitude. Ouais. Et bien sûr, choc entre rivaux, bah ça vient de Naruto, hein. On va combattre Naruto normalement. Il y a marqué la notation à côté. Hokage, c'est la meilleure notation, je crois. Et Sasuke est un personnage vraiment très puissant, hein, vous allez voir. Vraiment sympa à jouer. De toute façon, il y a vraiment. Tous les persos sont vraiment différents, encore une fois, aussi dans ce Naruto. Surtout qu'il y en a presque le double, quoi. Enfin, il y a 35 persos. Non, un peu plus de 35 persos quand même, je crois qu'il y en a une quarantaine. Et ça fait quand même beaucoup, hein, ça commence à faire beaucoup. D'anciens épisodes qu'on a eu droit, et bah, il y en avait 23. Donc voilà. C'est quand même un peu mieux. Voilà, super combo avec Teleportation. Et le super sabre de Sasuke. Enfin, qu'il a dans Shippuden. Jonin spécial, c'est pas terrible. Jonin tout court, c'est mieux, je crois. Bon, bref, on va prendre... Maintenant, il n'y a plus Kakashi normal et Kakashi au Sharingan. On a dès le départ Kakashi au Sharingan. Ce qui est un peu logique, parce que c'est... J'ai envie de dire, c'était juste pour remplacer, pour avoir plus de persos, quoi. C'est... Mais pour rien. Parce que entre Kakashi et normal et Kakashi au Sharingan, il n'y a presque pas de différence. Dans Naruto Clash of the Ninja sur GameCube. Sinon, il y a aussi voilà quelques ninjas un peu lambda. Et il y a Azuma, un combattant assez puissant. Kurenai, d'ailleurs, Azuma et Kurenai, voilà. Kurenai va avoir un bébé hein, de Azuma. Voilà. Mais Azuma, à ce moment-là, il va crever. Oui, je spoil. J'adore spoiler. Surtout que là, on est au début de Shippuden, en fait. Alors, je vais prendre Kigai, puisqu'il a la classe. Et j'adore sa technique ultime. Tiens, bah, 10 combats d'affilée et je suis qu'en élève, c'est nous. Ouais, parce que dans Naruto Shippuden, il va y avoir pas mal de... Il va y avoir pas mal de morts, quand même. Hein. Pas mal de trucs qu'on s'y attend pas, dans Naruto Shippuden. Même si je préfère toujours Naruto, hein. Naruto tout court, j'ai toujours préféré Naruto tout court que Naruto Shippuden. Je sais pas, je préférais l'ambiance un peu. Je préférais l'ambiance de Naruto, c'était. Des fois ça déconnait un peu que dans Naruto Shippuden c'est toujours sérieux, la plupart du temps. Donc... Même s'il y a toujours Gaï qui est toujours là et il remonte un peu la pente. Et purée, je me fais défoncer. Surtout que en plus ils sont plus puissants que d'habitude, hein. Je perds pas mal de vie là. Et oui, c'est ça le mode mission quand même, on a quelques petites lacunes qu'on n'a pas normalement. Enfin, quelques handicaps. Là vous voyez, on est dans la salle du renard à 9 queues, c'est vraiment magnifique. Ah purée, je me fais défoncer, dégage. Voilà. Il y a aussi une petite nouveauté, vous avez vu qu'il y avait des espèces de pots là sur le... Voilà, là c'est des caisses. Cette fois-ci, sur le ring de combat. Mais tout simplement, c'est pour... On peut se cacher derrière, ça peut augmenter un peu, j'ai envie de dire, l'intérêt du combat, je sais pas. On peut se cacher derrière, voilà, c'est comme un vrai ninja.
Mais bon, je vois pas trop l'intérêt en fait. Ça sert pas trop finalement. Ça renforce un peu le gameplay, on va dire. Un peu. Après, je me fais défoncer, je vais vous montrer sa super technique, mais je peux pas. Là, quand il passe en dernière phase, là, quand il passe les 5 portes du Lotus, bah, il va le faire. Technique ultime, purée, mais j'y crois pas. Il me contre à chaque fois, c'est ça le problème avec l'IA, il contre à chaque fois, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ils font pour contrer. Ils contre à chaque fois. Ils sont tellement forts. Ils sont tellement au-dessus de nous, quoi, niveau... au niveau de la réaction. Purée, mais c'est pas possible, j'ai mis en combien là? Je fais n'importe quoi. Ok, je me suis complètement viandé. Toujours la tornade de Konoha. Bon, les coups de Guy sont très ressemblants à ceux de Lee. Rock Lee qui reste toujours mon perso préféré. Car il est complètement énorme. J'arrive. Dans la série, c'est pareil. Aussi, une nouveauté, c'est qu'on peut briser la garde des ennemis. Enfin, briser la garde de notre adversaire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il se protège trop, et bien, sa garde sera brisée. Donc, il y a trois paliers de garde. Il y a la garde quand elle est bleue. C'est-à-dire que... Bah, ça va encore, c'est tranquille, il peut encore se protéger tranquillement. Il y a la garde quand il est quand elle est jaune. Bon, là c'est moyen, faut faire un peu gaffe. Et la garde quand elle est rouge, là faut surtout ne plus se protéger, sinon bah, la garde sera brisée. Et quand notre garde est brisée, on perd tout notre chakra. C'est un peu le problème. Tiens, bah, Shino, l'un des nouveaux persos. Bon, qui était déjà apparu dans Naruto Clash of the Ninja 4. Sur GameCube, je sais pas pourquoi il s'appelle 4, parce que je crois que c'est juste le deuxième en fait, si je comprends bien. Et voilà, parce que je l'ai essayé sur émulateur et il est pas mal. Bon, un peu incompréhensible hein, en japonais, mais bon. Voilà, ça par exemple, c'est une nouvelle technique de Guy, hein, quand il fait une espèce de téléportation, je crois. Purée, enfin, je suis pas sûr, je crois pas en fait. Guy, il a pas trop de nouvelles techniques. Il y a juste son attaque ultime qui a changé. Purée, il est fort. Il se protège à chaque fois. Ah, et aussi, il y a des projections aussi, comme ça, un peu copiées de Budokai, j'ai envie de dire. C'est-à-dire bah, que on est projeté dans une autre arène après. C'est assez bien foutu, hein. Mais j'ai jamais rien compris comment taper pendant les projections, donc je fais n'importe quel bouton et ça marche. Sinon, il y a bien sûr Itachi Uchiwa, purée, mais Itachi, c'est pareil. Voilà. Donc, un personnage assez technique, hein, assez chelou, hein, comment on le dirige. C'est assez spécial. Sinon, faut que je vous dise une petite astuce. C'est qu'en fait, dans le mode mission, c'est qu'en fait, il faut faire tout le mode mission de tous les personnages. Il faut être à, je crois que c'est 20% à chaque perso. Et quand on est au Kage, ça fait 10%, je pense, un truc comme ça. Bon, faudrait regarder sur jeuxvideo.com. J'ai vu ça sur jeuxvideo.com. Parce que ça, franchement, on peut pas le savoir. Et puis avec Kakashi, il faut être à 40% de ses missions. Et comme ça, on débloque dans la boutique Kakashi Anbu. Kakashi jeune, quoi. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Anbu, mais ça veut dire peut-être jeune en japonais. Allez! Le mettre en taijutsu en puissance, duel des rivaux en fait, c'est noté à chaque rang, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a le rang D, C, B, A et S. Le rang S, c'est extrêmement hard, hein, la plupart du temps on n'y arrive pas quand même. C'est parce que bah, l'IA, gros problème aussi dans ce Naruto et également, il y a pas mal de points négatifs aussi. Il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs par rapport à l'ancien, par rapport à l'épisode précédent. C'est-à-dire que bah, dans le duel des rivaux, et bah, on est contre un espèce de boss en fait, enfin, vous allez voir. Et quand on le touche, en fait, il titube pas. Ouais. C'est ça le problème, c'est comme si on le touchait pas quoi. Même s'il perd quand même de la vie, mais voilà. Bon, vous allez voir, voilà, là par exemple, je l'ai touché, mais il a rien sorti.
Il bouge que quand on n'utilise que des coups forts, mais bon, vu que les coups forts c'est très lent. Faut pas que ça non plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ah, donc là je suis contre Neji Hyuga. Parce que bien sûr, Lee, bah, son rival c'est Neji, son rival, je veux dire. Bon, vu que j'ai perdu lamentablement, je gagne que 74 Ryo. Parce que le système des Ryo, c'est pareil, on en gagne à chaque fois qu'on finit un combat. Même quand on perd, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, Sasori. Ah bah c'est bien. Je savais déjà qu'il s'appelait Sasori. J'avais un petit trou de mémoire avant. Donc on va faire vous allez voir, le gameplay est assez spécial avec Sasori. Il a deux formes, il a bien sûr bah, Iruko au début... quand il est dans une marionnette, en fait sa souris mais dans sa marionnette. Et là sa souris, bah, comment dire, qui a été rafistolé par lui-même en marionnette. C'est assez chelou. Alors affronte et bat trois adversaires IA, 1 contre 3, voilà, vous allez voir le problème aussi de ce Naruto, c'est que ça rame un peu quand on est à 4 joueurs. Ah, attention le framerate. Ah mon dieu, ce ramage. Ouais. Bon déjà j'ai rien compris et bon là j'appuie sur n'importe quel bouton, j'arrive à esquiver. C'est super. Bon la caméra bien sûr aussi bah s'éloigne parce qu'il y a la grand-mère Chiyo là qui n'arrive pas à venir vers nous. Elle a peut-être mal au dos, hein, je sais pas. Elle nous attend, elle fait la maboule. Bon, elle est plutôt forte, hein, plutôt assez agile pour une mémé. Ah, j'ai fait une espèce de combo de fou. Ah, sa souris est très puissant comme personnage. Il y a vraiment des... Là par contre, j'avais dit dans l'ancien Naruto que tous les persos étaient à peu près équivalents. Là par contre, il y a des persos plus puissants, hein, on voit tout de suite. Donc au moins c'est bien quand on joue avec un pote qui est très bas niveau. On peut prendre, pour le faire plaisir, on peut prendre un perso très pourri, et lui, il peut prendre un personnage d'exception, comme ce Sasori ou Sasuke. Et en commentant, je suis Hokage. Non, mais c'est incroyable. Enfin, j'ai une skill incroyable. Vous avez vu ma véritable skill dans Naruto, voilà, enfin. Vous l'avez vu. Vous avez des yeux. Bon, c'est surtout parce que j'ai contrôlé Sasori, mais c'est pas grave. Sinon Orochimaru est beaucoup moins cheaté que dans l'épisode d'avant. Les serpents sont beaucoup comment dire, la portée des serpents est beaucoup moins grande. Donc voilà, il est beaucoup moins puissant que l'épisode d'avant. Voilà. C'est dommage, hein, j'aimais bien comment il était cheaté avant, c'était marrant. Surtout quand on combat en combat singulier, hein, contre lui, c'était pas mal. Là c'est plus simple quoi, c'est plus un personnage, j'ai envie de dire, lambda quoi. Il est plus bah déjà il est moins puissant que Jiraiya, il est moins puissant que Sasuke, c'est sûr. Sasuke il est très fort. Sinon Deidara, bah Deidara je vais vous montrer un truc incroyable sur Deidara. C'est la dernière mission du mode histoire. C'est du grand n'importe quoi. Donc alors, déjà pour réussir le mode histoire, j'étais dans le mode option de jeu je crois que c'était. Et voilà, j'ai mis en difficulté 1. Voilà. C'est toujours mis en difficulté 1 d'ailleurs. Mais ça veut pas dire que c'est difficulté 1 partout, hein. Comme par exemple quand j'ai combattu Neji là, j'étais en difficulté 4 je crois pour ça. Mais dans le mode histoire par contre ça change. Quand on change les difficultés ça change vraiment dans le mode histoire. Donc c'est pour ça que j'ai perdu avant lamentablement là contre Naruto avec Sakura. J'avais pas réussi à placer mon attaque mais c'est à cause du temps, il y avait pas assez de temps bien sûr. On va choisir l'histoire. Voilà, il y a 3 chapitres en tout. Vous pouvez voir, bon, le mode histoire, on le fait à peu près en 50 minutes. Même pas, 30 minutes. 50 minutes, c'est encore trop généreux. Non, 30 minutes, c'est à peu près comme l'autre mode histoire, quoi, de Naruto. C'est vraiment la même chose au niveau durée de vie. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est la durée de vie, par contre, du mode histoire de Naruto Class of the Ninja 4 sur GameCube. La version japonaise, là, oui, bien sûr. De toute façon il n'est que sorti au Japon. Et bien ce Naruto là est... Enfin, le mode histoire, je sais pas, j'ai pas trop compris le mode histoire, il a duré 2 secondes. Je l'ai fini en 5 minutes.
voilà, mode histoire complètement, je sais pas, complètement bâclé. Voilà. Surtout que c'est quand même pas rien parce que c'est lors de l'enlèvement de Sasuke. Donc je me disais, je m'attendais à un truc de fou comme histoire, mais non. Ils ont fait un peu de la merde. Donc oui, l'épisode 7, c'est Naruto contre Deidara. Et on utilise, et on, bien sûr, on utilise Naruto en mode renard à neuf queues. Avec le chakra rouge du renard à neuf queues. Naruto Nintail. Et bah, le problème, le gros problème de ce dernier combat, c'est bien sûr l'explication, voilà, magnifique Naruto. Magnifique modélisation, c'est la classe. Bon, le chakra est moyen par contre, hein, l'effet du chakra, je suis pas trop fan. Mais voilà, bah, comme vous pouvez voir là, comment dire, je vais vous expliquer le truc, j'ai perdu le mot. Ah et voilà, c'est que bah, contre Deidara, le problème c'est que il titube pas, comme l'histoire de Neji contre Lee que je vous ai montré. Et en plus de ça, il est complètement cheaté, vous allez voir, c'est incroyable. L'ordinateur, il l'utilise à la perfection. Mais quand je dis à la perfection, c'est vraiment la perfection. Et encore, et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'il utilise des techniques qui normalement consomment du chakra, quand il... Enfin, vous allez voir, quand il utilise ces espèces d'araignées là faites en argile, voilà, ou ça, par exemple, l'oiseau fait en argile, bah... ça n'utilise pas du tout le chakra, normalement ça en utilise un max, ça pompe presque tout le chakra ça, quand il en utilise plein comme ça, et vu que c'est le boss final, et bah, il perd jamais son chakra, donc il peut quand il veut en faire, voilà. Donc, voilà, c'est très difficile, donc, je peux le contrer avec la technique A en bas, là, parce que Naruto il peut faire, il peut ressortir du sol, voilà. Voilà, c'est que comme ça que je peux l'avoir réellement, ou aussi en faisant des coups vraiment puissants, des coups forts. Là, je me suis planté. Alors, en faisant B en arrière, ça marche très bien aussi. Bien sûr, Naruto a une très bonne technique, voilà, celle-là. X vers le haut, ça fait vraiment mal. Et la plupart du temps, l'IA se fait avoir. Bien sûr, il faut l'avoir. Faut pas l'avoir avec cette technique là à la fin, faut l'avoir avec juste le bouton X, et là c'est extrêmement chaud de l'avoir comme ça, parce que bah il bouge de partout, c'est super hard de la placer correctement cette attaque. Surtout que Naruto Nintail il est pas aussi cheaté que sur GameCube, hein, il est pas aussi fort, là, il est beaucoup plus faible hein, je trouve. Ok, il est moins rapide. Voilà, là, j'ai fait un peu de la merde, mais au moins je suis pas mort. Hein. C'est bien. Bon, vous avez remarqué que Naruto est redevenu normal. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est... Au bout de 30 secondes, il a plus de chakra. Bon, 30 secondes, quoi, c'est pas assez, quoi. Ou c'était 60 secondes plutôt, mais bon, ça reste pas assez. Faut que ça soit du temps à l'infini, parce que le temps, ça va être votre pire ennemi dans le mode histoire. Franchement. Voilà, c'était le gros point faible du mode histoire, c'est le boss final qui est complètement cheaté. Je vous ai à peu près tout expliqué, sinon il n'y a pas trop de nouveautés. Il y a le mode entraînement, comme toujours, bah, pour s'entraîner, à faire... bah, apprendre les rudiments du jeu, comme ils disent si bien. Donc ouais, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Une mention spéciale à la connexion Wi-Fi, là. L'un des seuls jeux sur Nintendo, sur Wii. Sur Nintendo Wii, l'un des seuls jeux qui ne rame pas en ligne. Incroyable. C'est le deuxième jeu qui rame pas en ligne. Avec Mario Kart Wii. Sinon, Super Smash Bros, c'est une vraie merde. En ligne, mon dieu. Surtout sur Wii U également, il rame à fond. C'est... Ah non. Nintendo, ils sont complètement à la ramasse, de toute façon, au niveau online, et ça se voit. Heureusement que c'est pas payant. Hein. Vous imaginez si ça va être payant plus tard? Mon dieu! Bon, on se fera défoncer, purée. C'est vraiment n'importe quoi. J'espère qu'ils vont pas craquer, ils vont pas faire comme Sony et mettre...
mettre leur leur réseau online payant, quoi. Je sais pas comment ils appellent ça. Mais voilà, sinon, voilà, c'est un bon jeu. Un bon petit jeu. Si vous avez la version précédente, je dirais... Vous n'avez pas non plus forcément besoin d'avoir celle-ci. Car il n'y a pas non plus énormément de nouveautés. La nouveauté, surtout, bah, les nouveaux persos, quand même. Mais qui ont vraiment des coups très spécifiques, très différents. Et sinon, voilà, sinon le... Pour pouvoir débloquer tous les personnages avant ça, il faut faire des millions de fois, mais vraiment des millions de fois le mode survie, et ça, c'est... Ça peut vraiment être embêtant, ça peut vraiment être lourd au bout d'un moment, et là, vous voyez, je suis à 11 heures de jeu, j'ai toujours pas fini. C'est incroyable. Et je l'avais, Kakashi en boue, mais sur mon ancienne Wii qui a cramé. Donc ça me fait chier. Enfin, il pouvait plus lancer les jeux, je sais plus pourquoi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures. Et on se retrouve pour, peut-être, Naruto Clash of the Ninja 4 sur GameCube. Sur émulateur, bien sûr. Ou aussi, le grand Naruto sur PC. Je ne sais plus son nom, mais il a encore un nom de psychopathe.